今パリで人気、実力ともにナンバーワンのパティシエ、セドリック・グホレ。今日はこちらのサロン・ド・テをご紹介いたします。お味のご紹介だけでなく、サロン・ド・テの様子、お店の方に伺ったクロワッサンを手に入れる方法などもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。 Petit Bisou France。 Bonjour à tous、皆さんこんにちは。今日はこちらのセドリック・グホレに来ました。私たちは本当に運よくサロン・ド・テを予約できたので、こちらクリック&コレクトとサロン・ド・テの列に並んでいます。予約がない方はこのボント・ア・ウンポフティ・ティキャウェイの方に並んでもらうことになると思うんですけど、どれぐらい並んでるんでしょうかね。ちょっと見てみます。ちょっとわかんないぐらい並んでます。すごい人気で、2人なんですけど、実は予約が取れなかったので一人取って2人で行きました。そう、このセドリック・グホレさんは2017-18だったかなの2年連続でメイエフ・パティシエに選ばれている方で、もともとホテルムーリスのシェフパティシエをしていて、ホテルムーリスの中というか横というかにパティスリーがあるんですけど、このオペラに数年前50席って言ってたかな、50席のサロン・ド・テがあるパティスリーを開いたということで、で朝もうクロワッサン売り切れてしまうそうなので、っていうのももともとメニューのところにクロワッサンとパンオショコラとかのビエノーズリーフの類は10時から12時にいただける、これはサロン・ド・テの場合ですね、というふうになっているので、クロワッサンとかは午前中のみのご利用になっています。メッシーBonjour à ma collègue chez vous. Ah, ok, d'accord. Bonjour. Bonjour. Ah, on sert. Oui. À quel nom? Ok, allez-y, c'est à l'aise. Merci. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Quand même, ce n'est pas si petit. Bonjour. Oui. À quel nom?Bon, en fait, on est réservé chacun, mais si c'est possible, on espère que... Oui, attendez. Ah, d'accord. Ouais, parce que c'est hyper difficile à avoir la place. Je comprends, je comprends. Alors, bah, écoutez, vous pouvez vous installer sur la table de votre choix. Juste ah, d'accord. Celles qui sont devant les fenêtres, merci. Ah, oui, merci bien. Donc, où est-ce qu'ils sont à monter ? Là... Non ? D'accord. Non, non, mais il n'y a pas de fenêtre, mais c'est bon, c'est bon.Si tu préfères, là. Là, là. Scroyez ça. Y a le coup. Scroyez ça. ちょっとね、オペラちらっと見えますね。Même une telle difficile à avoir la place. Quand même.Ah oui? C'est bizarre. 空席が多かった理由を店員さんに聞いたので、その理由は動画の後半で。Dans ce cas, c'est très bien. On est là, c'est ça. On préfère comme ça. さて、お目当てのクロワッサンはまだあるのでしょうか。Mais c'est comme un encore croissant qui arrive là.Bonjour, voilà. Alors on a pris un petit endroit avec un peu moins de soleil. Mais c'est très bien, monsieur. Non, là, avec trop de soleil. Oui, non, je comprends, il y en a beaucoup. Je demande si ça, si ça vous convient. Ah non, monsieur, parfait. Très bien. Je vous laisserai ce qu'elle est notre menu. Merci. Merci. D'accord. Moi, je vais prendre un croissant, un pain au chocolat.このこちらで、こちらがメニューになっていて、これをスキャンしてメニューを見る形になっています。ということで私もスキャンしますって言ってもね、言ったんですよ。間違えて写真撮っちゃった。あら、何かお客はもしパンをキャプチーノをキャフェラテマキアトン。Ah, mochaccino. Ah oui, non, mais si, je prends un café. Mochaccino. Et je sais pas, pain au chocolat, poisson. Tu vois, il y a le plat.
Alors, attends. Un peu côté comme brunch, lunch. Attends. Avocat toast. Tartine poulet. Avocat toast, tartine poulet et comté. Bah ça, on peut peut-être en prendre un pour deux ou... Si tu veux. Ok. Une pâtisserie chacun, un café chacun, et ça, on parle... Moi, c'est plutôt croissant. Ah, croissant pour toi. Moi, je vais prendre un croissant, un pain au chocolat. Et le pain au chocolat, on peut emporter. Alors, moi, qu'est-ce que je vais prendre, du coup croissant aussi ou... Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux prendre? Bah, moi, je pensais que tu prendrais une pâtisserie. Oh, d'accord. Bah, j'y vais, non? Oh, ouais. Bah, ou alors, sinon, on fait une pâtisserie pour deux. Et croissant, café, et un truc à grignoter. Le tartine. D'accord. Voilà. Mais peut-être au pire, on peut pâtisserie, on peut peut-être. Ouais, si tu veux. Comme tu veux. Bonjour. Juste, j'ai une question à vous poser. Plutôt, lequel vous conseillez entre un croissant ou un pain au chocolat? Vous avez déjà goûté les deux? Non, c'est la première fois. Un croissant. Est-ce que vous voulez prendre un pain au chocolat? Sinon, on peut faire. Ouais, et puis le viennoiserie de jour, ça va être les chaussures aux pommes. Ah, d'accord, tu voyais tout en bas. Ouais. Donc, ça va être à la pomme et à la cannelle. Et ensuite, ça va être le cinnamon roll qui va être au-dessus. D'accord. Et à Paris, ça va être un roulé à la cannelle. D'accord. Et puis, on vient de goûter le pâtisserie aussi. Mais au pire, on peut emporter. Ou bien sûr! Ou si vous finissez pas, ou si vous voulez prendre en bas, vous pouvez complètement. D'accord, mais le en bas, c'est plutôt, c'est comme 2 ou 3 personnes. Il y a des pièces individuelles aussi. Ah, d'accord, ok. Parfait. Elles sont pas encore sorties, mais dans une heure, elles sont prêtes. Ah, d'accord. Mais en tout cas, nous, les pâtisseries individuelles, les petites, on les a. Ah, et c'est pour ça, vraiment. Okay. Bon, ouais. Comme ça. On va. Et puis, mon cappuccino, c'est comme mi-chocolat chaud, mi-café, comme ça? Oui. Je demandais à ma collègue, c'est mieux que moi. Ah oui, d'accord. C'est mon troisième jour. Oui, ah, d'accord. Parfait, merci. Merci bien. J'arrive tout de suite. Donc, ça, c'est thé noir? Non, thé vert? Je sais pas, on goûte. Mais franchement, c'est parfait. Moi, j'adore. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêts pour la commande? Super. Un pain au chocolat. Ce sera à la carte. Oui. Alors, vous avez le menu petit déjeuner, si vous voulez. C'est pas une obligation. Vous avez une boisson froide, une boisson chaude, un croissant ou un pain au chocolat et une gaufre. Si vous ne voulez pas la gaufre, prenez à la carte. Non, mais on va prendre un truc un peu plus simple. Alors, je prends le. Je vais conseiller plutôt un pain au chocolat ou un croissant. Si vous aimez le chocolat noir, ouais. Alors je vous recommande le pain au chocolat. D'accord. Mais le plus populaire, c'est les deux. D'accord. Bah. En fait, c'est les deux classiques. Si vous voulez, en demande française, en tous les cas, il y a toujours le croissant ou le pain au chocolat. D'accord. Même pâte de. C'est la même pâte. Ah, d'accord. Bah, du coup, je prends le pain au chocolat. D'accord. Un croissant pour moi. Un mochaccino. Un mochaccino, oui. Un americano. Est-ce que c'est possible de changer le lait écrémé? Vous voulez alors dans un mochaccino? Ouais. Vous avez alors ce sera du lait entier. Pas si vous voulez c'est lait d'avoine, mais dans le chocolat c'est déjà du lait entier. Okay. L'avoine c'est pas très bon. Donc lait entier ça. Ouais. Et je vais avoir un petit truc. Si jamais à la cannelle et la cinnamon roll. Il est un peu grand le cinnamon roll. Bon, on a pensé plutôt côté salé. Je pense plutôt côté salé, c'est ça? On va total. Ou pâtisserie, donc on va voir. La tartine poulet, là, peut-être on va prendre tartine. Alors, est-ce que vous voulez manger tranquillement vos viennoiseries et puis vous me retirez si vous voulez la tartine poulet ou je vous la lance dès maintenant? Ah, dès maintenant. Très bien. Voilà. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Alors, celui-là, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un thé noir infusé à froid avec du thé noir fruité infusé à froid avec de l'orange, de l'orange citron et pamplemousse. Ah, oh, d'accord. Voilà, merci. C'est étonnant celui-là, c'est pas du tout thé noir. En tout cas, thé, on peut dire thé noir, thé vert, thé blanc.
C'est vrai que c'est très vraiment fin. Fruit. Très rafraîchissant. C'est très rafraîchissant. Petit bisou France. Channel 登録 よろしくお願いします. Americano, c'est bon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et cappuccino. Oh, c'est mignon. Merci beaucoup. C'est quoi? Notre barista a du talent. Merci. Ah, c'est hyper beau. C'est comme un bol. Ouais. C'est rare de voir le bol. フランス人はクロワッサンをコーヒーに浸しながら食べるのでカフェオレボールでコーヒー類をいただくことは珍しくはないのですがこれは規格外の大きさでした。ちょうど今、店員さんが来てて、後ろの方はもう、青ショコラが最後だったということで、ギリギリシャー、11時の予約、ギリギリ食べられた、かわいいお店です。で、ほぼほぼ、ジパプテってすごいディセッサン。J'avoue, hein, c'est délicieux. Ouais. Mmh. Parce que quand même, il y a pas mal d'avis qui disent que c'est un peu trop cher. Donc, si t'es content. Ouais, et combien le pain au chocolat? 5-6. D'accord, oui, non, mais ça m'étonne pas. Pour avoir le poisson plus intéressant, j'ai essayé de réserver un bon midi. Mais c'est vraiment exceptionnel. Hein. Délicieux. すごいボン、すごいね、スフレ、ボンフレ、あえへ、あえへ、いいでしょ。あぼ？甘い。ボンエキバロンのシュク、エルベル、パトロブラ。マニフィカ。パディトゥデシュ。よかった。C'est vrai que c'est le même pâte. Je peux goûter? Oui. Même j'arrive pas encore le côté chocolat. Et alors? Hyper délicieux. T'arrives à côté chocolat? Non. Bah du coup c'est croissant alors. Oui. Et il dit que c'est le même pâte donc. Exactement. Mais d'ailleurs pour moi aucune différence. Chocolat. Non mais peut-être qu'il aurait fallu couper dans l'autre sens. Dans le chocolat, il y a un côté croustillon. Ah bon? Ouais. Pas mal. Bien chocolat noir. Si tu veux goûter chocolat, tu peux. C'est dommage que tu gâches le côté dessin de mochaccino. C'est obligatoire, sinon on ne peut pas boire. Mais j'ai essayé de ne pas gâcher. 皆さんはラテアートがあるときどうしていますか？ぜひコメント欄で教えてください。タフティーヌが届きました。presque comme croque-monsieur. Il y a un salade avec peut-être balsamique, côté moutarde et peut-être huile d'olive. 思ったより綺麗でした。もう一つ。こんにちは。Et voilà. C'est bon. Hyper bon. Hyper bon. Alors. Continue encore. Franchement, rien à dire. La salade est parfaite. Si on mange comme ça, peut-être il faut choisir le côté brunch. Voilà, ça fait un peu style brunch. 9月20日からは秋のメニューに一新し、現在ブランチメニューはなくなってしまいましたが。8月9日からは新たにティータイムメニューが加わったみたいです。Franchement, avoir la place pour le brunch, c'est pas si difficile. Ce qui est difficile, c'est vraiment le petit déjeuner. Ah bon? Et le goûter, ça va. Mais c'est parce que c'est côté croissant et pain au chocolat. Ouais, et peut-être car c'est moins cher. Ah! Ça va, merci. Je sais que tu fais n'importe quoi. Non, c'est. Non, mais je coupe. Déstructuré. Je coupe.
pain trop petit avant. Il y avait la strip cheese. Non, mais il faut couper jusqu'au bout. Là, tu n'as pas coupé jusqu'au bout. Ah oui, c'est ça. Ouais. Tu prends la photo? Comme ça? Tu me manques, hein? Oui. 崩れてしまったのでアップにしてお見せしたところでわからなくなってしまっていますが美味しかったです。うん、うん。でも、ここを横手向か。まあ、tu vois, et pour deux là, c'était parfait. Je suis à la place encore pour le pâtisserie ou non? Officiellement non. Du coup, tu préfères un porté ou pâtisserie un porté ou... Ouais.Mais par contre, ton café, tu ne bois pas du tout. Tu veux de l'aide? Bah, si tu veux. Bien crémeux comme jamais. Mais quand même, je préfère le côté americano. Petit bisou, France. Qu'est-ce qui est de prévu pour toi cet après-midi? Qu'est-ce que t'en penses? Comment on est quartier à l'opéra? Tu veux te balader? Oui, balader, pourquoi pas? Tuileries, pourquoi pas? Là, ça, c'est le quartier d'Emily in Paris. Pas ici? Oui, pas du tout. Mais quartier Emily in Paris, c'est plutôt côté derrière de... Palais Royal? Non. Ah oui, son bureau. Enfin, le Tuileries. Ah oui, non, mais c'est pas là où elle habite. Oui. Non, là, c'est à côté du bureau d'Emily in Paris. On peut se balader là. Voilà. Est-ce que tu sais pas passer? Oui, oui, c'était super. On reviendra. Merci. On va peut-être réussir pour le pâtisserie. Oui, vous allez décider. Quelle pâtisserie vous nous conseillez? Alors, moi, je vous conseille la gousse pleine. Elle est très légère, elle est vraiment très bonne. Ouais, j'ai la citron vanille qui est une de mes préférées aussi. J'aime le côté un petit peu acide. Après, elles sont toutes bonnes. J'ai la fleur coco qui est très bonne. J'ai la fourrée noire si vous voulez quelque chose de chocolaté. On prend le. Un gosse de vanille, c'était ça? Oui. Voilà. Et vous avez notre pareil à partager? Oui, oui, c'est ça. Merci. Ah oui, donc là c'est le billet de fond de l'œil, enfin, là, 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 là. Mais quand même, c'est gros! Ah oui! Visuellement, je ne sais pas, peut-être que c'était plus joli celui de fleurs. Mais mon nez, mi tame yori, azio toru no ga watashi desu. Yaaah, un chiton! Vraiment impressionnant! Ouais, c'est gros quand même! Mitez quoi, j'aime ça! これ何って感じですよね。ちょっと。いや、分かってますよ。そりゃバニラのさやですけど。急にこれ出されたら、へって感じですよね。で、え、大きい。何センチぐらい？プリスクメマ。あ、もうさ、何センチメマ？なんか、なんか、バーン、サンか。バーン、サンか。しかパクセトンだ。わし、ポシブル。Ah, c'est vraiment impressionnant. Attends, on aurait dû filmer ça. Ah, ça a l'air délicieux. C'est délicieux. Bah, quand même, il y a pas mal de chocolat. Ah, praliné, plutôt praliné, je crois. Dans le praliné, il y a le côté croustillant. C'est léger, mais le crème intérieur, il est bien crémeux. On a senti vraiment le côté crème fraîche, le côté léontière. Norimaki, mitai koko kara mitto. Norimaki, toka yutte sensu nai. Kore ga praliné cream de, soto ga vanilla cream no cream. Cream, tte ka no.クリームなクリームですね。ウィシュさん、ムースとクリームの間が、で、これが、どっちかっていうと、こういうのなんて言うんでしたっけ？リキッドの、なんか、バニラーな感じのです。で、これ、外が多分チョコレートかな？バニラバニラしてるっていうよりは、スネパコンテストバニールは、セプルスコテ、ショコラプラリネ、ジェランパション。Oui, oui, je suis d'accord. Plus que côté praliné que j'attends, j'imaginais. C'est parfait.
Et j'avoue que ça aurait été dommage de rater ça. Petit bisou France. Bah, du coup, on remarque qu'on utilise moitié de place dans un salon de thé. Ça dépend des moments. Là, ce matin, par exemple, on était complet. En fait, c'est aussi parce que là, vous voyez, en cuisine, il n'y a qu'une seule personne. Ah, et s'il y a 20 personnes qui déjeunent en même temps, ça vient. Ouais. Autant le matin, il n'y a pas de souci parce que c'est des déjeuneries qui sont déjà prêtes. Et donc, c'est plus rapide. Et pour le déjeuner, après, c'est pour ça le plus rapide possible pour les clients. Mais le problème, en fait, il y a un risque de si on arrive en hiver, peut-être qu'on n'en a plus de pain au chocolat, croissant, de garder bien pour les clients. Normalement, si, parce que ce qu'on fait, nous, c'est que le matin, le salon thé, on a un nombre. On récupère des croissants et des pains au chocolat, une fois qu'ici. Ouais. Donc, on est indépendant de la boutique le matin. Ah, d'accord. Donc, normalement, jusqu'à 11h30, jusqu'à la fin du petit-déj, on est censé toujours en avoir. Donc, si on a salon de thé, bon, peut-être midi, il reste quelques croissants, peut-être on va descendre. Si, justement, exactement. D'accord. Si c'est à midi, il reste des croissants. D'accord. Il les met dans la boutique et il les vend. Parce que nous, de midi à 14h, ensuite, c'est le déjeuner. D'accord, du coup, c'est... Il y a plus d'une oiserie. Ça dépend du timing, peut-être même on dit qu'on en a plus de 300, peut-être midi, midi 15. C'est exactement ça. Ils peuvent vous dire 11h58, on a plus de 300. Mais oui, c'est possible, du coup, parfois on descend 2 croissants, 3 pains au chocolat, il y a un chausson pomme, par exemple. Ça doit pas arriver souvent. Non, c'est ça. Niveau timing, c'est sûr que c'est compliqué et il reste dans la boutique 5 minutes. Je sais pas, c'est 2h de peu, 3h de peu, je sais pas. Les gens qui font la queue là, il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas finalement. Qui ne rentrent pas. Bah, tout le monde va rentrer, mais il y en a qui vont pas avoir forcément ce qu'ils souhaitent. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Pour avoir le croissant, il faut venir vers quelle heure Les croissants, ça va être à partir de l'ouverture, donc à 9h30. Ouais. Il y en a qui viennent à partir de 8h30, 8h45. D'accord. Et après, ça va être jusqu'à 11h, 11h30, à peu près. Ouais, d'accord. Okay. Et donc après, à partir de ce moment-là, on va avoir les pâtisseries. Les fleurs individuelles, notamment la boule de vanille, des fleurs que vous allez voir en bas. Et tout au long de la journée, on va avoir des brioches, des cookies et des tartes. C'est vraiment pour les emporter, c'est pas pour le salon du thé. Mais c'est aussi pour le salon de thé. Ah, d'accord. C'est aussi pour le salon de thé, mais c'est pas sur la carte parce que ça dépend des jours. C'est un peu en fonction de ce que prépare le laboratoire en bas. D'accord, ouais. Donc, par exemple, si il va y avoir au moins de pâtisserie, il va y avoir plus de cookies, on va essayer de compenser. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Peut-être si on arrive bien tôt, on peut avoir des viennoises et des croissants pains au chocolat. Mais... Est-ce que c'est la seule boutique à Paris? Ouais, non. C'est pour ça. Non, mais en fait, il y a une boutique dans l'hôtel de l'office, mais là-bas, c'est que pâtisserie, je crois. Là-bas, mais si on veut prendre comme croissant, peut-être il faut aller au salon du thé dans l'hôtel Maurice pour le petit déj, je crois. D'accord. Ah, c'est compliqué un peu avant le croissant alors. Ah bah oui, c'est pour ça que j'ai essayé de rédévrer au moins 11h. J'avais un peu peur quand même, à 11h, peut-être qu'on n'a plus de croissant. Pas en chocolat. Bon, mais en tout cas, je suis ravi de cette expérience. Est-ce qu'on va y aller? Petit bisou France. Cédric Gourlet no salon de thé no ato wa Palais Royal fukin, Emily in Paris no roketchi nado o sanpo shite tanoshimimashita. Kono toki no yousu wa mata betsu no douga de go shoukai shitai to omoimasu. 今回のセドリック・グゴレの動画いかがだったでしょうか。またパリのカフェ動画が見たいと思ってもらえたら、チャンネル登録・高評価をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回。ビズビズー。